Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et The Fireflav. Et on est parti pour un défi Kong sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 sur Wii. Et Fireflav a la première manette. Ouais. Je vais prendre sa première manette. Voilà. Et je vais jouer avec. Enfin, le défi c'est de réussir quelques duels avec Monsieur Satan contre des persos très puissants que Fireflav prendra. Ouais. Aussi puissants que moi. Ouais. Le mode duel. Sachant que après on fera aussi un mode équipe. Et évidemment il prendra 4 ou 5 persos, je sais plus combien c'est le maximum. Voilà. Contre, moi je prendrai Monsieur Satan et Videl. Et sa fille. Sa fille. Voilà. C'est une vidéo très Kong et très con à la fois aussi. Voilà, tout à fait. Faut déjà trouver Monsieur Satan. Voilà. Et c'est Tipar. Voilà, tandis que Fireflav galère à trouver un très bon personnage. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ah voilà, super Vegito, super Gogeta. Ah ça c'est... très bon personnage. On va prendre la prairie. C'est ça, c'est la vie la prairie. Ou ça, monde de Kaioshin. Oui, voilà, Vegeta qui fait des pompes. Il en a fait 10. Mais exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais, c'est un truc. Voilà, il a une voix chelou, Gogeta. Allez, c'est parti. Laissez-moi un peu le temps, Oliver. De... Oh là là là! Oh là là! Il mène le combat! Monsieur Satan mène le combat! Il fallait pas commencer comme ça, fallait prendre son temps. Merde! Mais non, mais moi j'ai. Faut que je joue à fond là, j'ai Monsieur Satan là. C'est José! Oh là là, mais quel talent! Mais quel skill! Monsieur Satan, il fonce dessus, il lui fait l'attaque. Mais sachant que cette attaque marche une fois sur deux. C'est des attaques scriptées, vous savez, Oliver. Ah, je sais. C'est pas du jeu. Ah, mais tout est du jeu là-dedans. On peut tricher. Merde. Voilà, comme ceci. En balançant des vagues Kikoa non-stop. Oh là là, mais quelle puissance d'attaque. Regardez-moi ça. Il se fait démonter. Je pense pas que c'était la meilleure vidéo à faire, parce que c'est vraiment dégradant pour ma personne. Oh merde, je peux plus faire l'attaque de fou. Oh là là, il peut se téléporter, c'est incroyable. Putain, c'est un grand défi. Vas-y, vas-y! Bon, je pense que ça sert à rien, ça. C'est très puissant. Pendant que Monsieur Satan booste un peu sa défense. Quoi? What? Il m'a fauté! Mais quelle puissance! C'est Fireflav, c'est tout bonus. Et c'est la revanche! Voilà. Non, on va passer directement au mode de duel multiple, on va dire, avec plusieurs personnages. Ouais. Faut assumer votre défaite, Oliver. Faut faire 3 fois, faut que tu gagnes 2 fois contre moi. Si c'est comment? Si c'est égalité là, si on fait 2-2 là, faut une troisième manche. Tu vois? Il n'aime pas perdre, il n'aime pas perdre, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'on voilà. Fait un autre duel. Ouais. C'est la règle, comme ça, pris comme ça, au pif. Ouais. Une règle très précise. Qui n'avait pas lieu d'être avant la vidéo. Non, moi je vais reprendre le même. Oh non. Il a une barre de vie en plus.
On va prendre un autre. Ah non, on prend le même. Bon. Ça revient au même après. Enfin, si on peut plus se cacher dans les villes. Mais bon. Bon bah ça change pas. Faut toujours commencer comme ça avec Monsieur Satan. Ça me met en jambe. Ah oh, merde. Merde. Allez vas-y tu. En fait je pourrais te battre qu'avec des boules de feu. Ouais. C'est ce que tu vas faire c'est ça? Non. Petit fourbe. Petit caillou. Merde. Fais ça au bon moment, ce fourbe. Merde. Il se défend bien. Fireflav se réveille. Avant la vidéo, il arrivait pas à jouer. Bah, toujours pas, mais j'appuie sur pas mal de touches et ça marche. Ah non, oh là là, mais... Quelle attaque scriptée, encore une fois. Monsieur Satan, mais quelle technique. Il a fait un 1. Mais c'est beau. C'est beau, c'est le sport. Vive le sport. Sur Tekken Chief 3. Je skiffe tes vagues, Kikowa. Prends ça. Enflure. C'est leur technique. Voilà. Ouais. Monsieur Satan l'a défoncé. Et oui, magnifique, magnifique. Faut avoir du skill quand même, faut avoir des nerfs hein, pour faire ça. Ouais. T'as comment il le défonce hein. Boula. Si j'arrive à te faire descendre à ta dernière barre de vie là, ça veut dire que j'ai gagné. Parce qu'il a une barre de vie de plus. Non, arrête, arrête. Il invente des règles au fur et à mesure pour gagner. Je rigole en vrai. Fourberie. Bien. Allez, espérons qu'il fasse 2 cette fois. Peut-être un 2 et 1. C'est pas mal. C'est pas possible. Il n'arrive plus avec cette attaque. Ça marche qu'une fois. Je vais me mettre en pleine puissance parce que c'est que comme ça que je peux faire tituber Gogeta. Allez, fais ton attaque de ouf là. Ah, il est trop fort, il est trop fort, il a fait. Quelle technique! C'est tout fire, c'est tout fire. Bon, je pense que je vais essayer une dernière chance à Oliver en duel. Non, c'était. Normalement, c'est deux fois, là, c'est mort. Ah, d'accord, bon, on va faire en équipe. On va faire en équipe. C'est un fail! Vous savez, Oliver, quand c'est trop puissant, on ne peut que s'agenouiller. Ouais. Devant moi. Ouais. C'est magnifique. Quelle magnifique phrase. C'est une belle citation que je viens d'inventer. Retour au menu principal, menu duel, mais c'est pas. C'est pas grave, Fireflav. Fireflav a gagné son premier défi. Mais le deuxième sera plus corsé. Voilà. Voilà. Monsieur Satan, s'il te plaît, c'est quand même quelque chose. Et Videl qui peut se mettre en super Videl. Mais ah oui, je vais quand même laisser en Videl normal. Tandis que Fireflav va prendre Super Boo. Oui, il est nul. Non, c'est. Il est super fort. Ah oui. Non, mais d'accord. Voilà, avec Sangwan absorbé en plus, sa forme ultime. Alors j'en prends combien? 1, 2 ou 3? 4. 4. C'est raisonnable. Parce que 5, ça a été un peu hard, je crois. Ouais. Pour moi, je sais pas. Surtout si je prends Gogeta. Super. Super Gogeta. Ce Videl se débrouille quand même mieux que son père. Mais c'est pas non plus incroyable. Je vais prendre ça. Ouais. Et le dernier, le dernier, peut-être Krilin. On ne sait pas qui va manger. Tortue Géniale. Voilà, Tortue Géniale, évidemment. C'est quand même le logo de Fireflav. Voilà. C'est quand même. C'est pas rien du tout. On va essayer de faire quelque chose de futuriste. Ouais, comme ce que t'aimes.
ce qui est à fond dans Final Fantasy. Voilà. Les derniers Final Fantasy. J'adore les RPG, je joue souvent à Battle Kratos. Battle Kratos. Baton Kratos. Et à Final Fantasy. Ou comme il appelle ça, Battle Kratos. Ah, magnifique intro de Mister Satan. Putain, il a la voix de Freezer. Sur, est-ce bon. Qu'elle va marcher cette fois-ci? L'attaque scriptée, sachant qu'on a arrêté le temps avec cette attaque. Et c'est un, c'est pas mal. Oh, petite roulade de faible. Attends, je vais attendre que le petit bleu va. Voilà. Il a détruit le truc quand même. Crotte de chien. Boum. Sachant qu'en équipe aussi on peut changer. Merde, comment ah on oui, fait c'est ça vrai. On ouais. peut changer et comme ça l'autre va. C'est avec quelle touche? Il va récupérer un peu de vie, c'est vers le haut. C'est très efficace. Videl se débrouille quand même mieux que son père. Ça se voit direct. Ah mais ils ont cassé le terre-plein central. C'est quand même... Elle a des boules de feu cette ouais. jeune femme. Ouais, elle sait utiliser le Kai. C'est grâce à Sangwan. Regarde-moi ah bah oui, ça. Regarde-moi ça. Mais non, Dieu, mais c'est pas ça. C'est cheaté. C'est du cheat. Mais non, ton perso est plus fort que le mien. Mais elle est quand même pas mal. C'est quoi cette boule de feu de merde? Ah, le Kamehameha. Évidemment, ça passe toujours. Brouillage. Merde, c'est vrai, c'est une boule de feu de merde ça. Putain, il leur fait 10 fois plus que moi. Oh, ça va être chaud, ça va être chaud. Je pense que mon premier perso a rendu son âme à Dieu. Je sais. Ah mais c'est pas possible, il me prend un froid, c'est terrible. Ah on peut pas se TP. J'appuie sur AX et quand même. L'attaque ultime de Videl. Ah je vais louper. Frappe, mais maintenant. Allez vas-y, boule de feu. Boule de feu suprême. Putain, tu te fais défoncer. T'es où petit fourbe? Je vais t'avoir avec cette attaque. Changement. Pour un meilleur perso. Ouais. C'est surtout pour Videl récupérer un peu de vie. Oh ça. Putain c'est... Quel match incroyable. Fireflame. Comment il se fait dominer. Ouais, celui-là aussi. Ah. Plus qu'un bon perso et après j'ai pas retrouvé. Putain, si tu perds. Si tu perds Gogeta là, t'es un peu dans la merde quand même. Putain, si, il reste quand même Vegeta. Putain, j'arrive même pas à monter. Ok, ah, c'est très utile. Je vais essayer de. Oh putain. Il a contré. Il a réussi. À contrer ma fourberie. Bon, en espérant que ça marche. Si ça marche, il est mort. Ça marche jamais ce truc. Oh, je m'enfuis. Je ne peux rien contre toi.
peut faire que ça de toute façon avec Satan. On peut s'enfuir et se mettre en pleine puissance. Je suis en mode concentration. Merde. Mais putain! Moi je suis mort. Eh putain, si ça marche encore pas là, j'ai vraiment pas de chance. Mais c'est incroyable! Quelle chance! Firefly a beaucoup de chance. Non. Mais non, par contre, pourquoi il y a du temps là? C'est de l'arnaque ça. C'est mort! Je ne respecte pas le temps! D'accord. C'est dire quoi ça? C'est nul! Et voilà, la vidéo se termine, j'ai gagné sans gagner. C'est parce que t'as plus de persos qui te restent. Ah oui! Mais ça, c'est con, faut enlever le temps là. Bon, bah, on va refaire. Bon, bah, on va refaire. Mais sans le temps. Par contre, je sais pas où faut aller pour. Ah, pas un mètre de combat. Parce que le temps, c'est vraiment de la merde. On le dit à chaque fois, dans chaque jeu de combat, ça sert à rien. Voilà. C'est quoi ça, par mètre de carte? Ah oui, c'est bien qu'il soit destructible. Donc là, c'est bien mis. Ouais. C'est parfait. Combat par équipe. Et au pire, à la fin, on fait un petit bonus. Je prendrai tous les personnages de... Enfin, des personnages appartenant à la série Dragon Ball. Et toi, Fireflav, des personnages cités appartenant à la série Dragon Ball Z. Oliver, je ne pense pas que je vais arriver le temps étant donné qu'il faut que je rentre manger. Ouais. Allez, Fireflav. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le combat final que je dois gagner avec beaucoup de courage. Au pire, on fait ce combat et puis après le combat freestyle à la fin. Comme j'ai dit. Oliver, essaye de me concentrer. Alors, recherche du personnage cheaté. Où est Gogeta? Où il est? Où est-il parti? Ouais, déjà. Ça, c'est fait. C'est une belle musique, quand même. Ouais. Une musique assez rock'n'roll. Oui! Gogeta, le grand, le magnifique. Plus qu'un perso, mais oui, mais évidemment, évidemment. En puissance maximale. Son alors icône. Attention, je pense qu'il est égal aux autres en puissance maximale. T'exagères un peu. On va prendre une autre. Voilà. Je vous serre la main, Oliver, pour ce grand combat, moment. Ce grand moment. Fireflav aura toute la honte de sa vie s'il perd, mais s'il gagne. Sachant que je n'ai joué que 2 heures sur ce jeu, toute ma vie. Non. Plus. Ouais. 20 heures plutôt. Mais voilà. C'est parti, c'est parti. Ça commence déjà. Allez. Avec une attaque très scriptée. 1-1-1-1-1-1. Oh, ça marche souvent au début et après c'est la merde. Oh. Tu veux un petit cadeau? Oh. Tiens, mon petit cadeau. Boum. Sans avec Monsieur Satan, on peut que avoir son adversaire comme ça. En fourberie. Voilà, je sens qu'il va faire sa grosse attaque là. Il va tout démolir. Bonjour. Oh oui! Oui, parce que au bout d'un certain temps, le personnage se met à ricaner tout seul. Et on peut plus rien faire pendant ce temps-là. C'est un peu de l'arnaque. Donc Firefly s'est fait avoir par ce piège. J'y arrive plus. J'ai mon personnage qui est mort, j'ai pas enlevé un PV à Boum. Satan. Monsieur Satan, il esquive tout! Mais quel PGM, regardez-moi ça! Oh là, il se prend tout par contre là. Voilà. Putain, mais c'est la Gatling. Gatling Fire. Ah,
Bon, allez, ça m'énerve. Ah, on va prier. Dire. On va prier Jésus. Mon Dieu, faites que ça. D'accord. Salut. Voilà, il prend tout l'écran, Monsieur Satan, Monsieur Satan. Quel gros combattant, ce Monsieur Satan, quand même. Attention. Au centre. Super fantôme bouffe, super fantôme kamikaze. Attention, faut esquiver ça. Et c'est parti. On va le finir, on va le finir. Voilà, Firefly Fury. Monsieur Satan a presque pas perdu de vie. Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il part, Monsieur Satan. Quel héros, quel oh là héros. Là. Mais quel héros d'envoyer mais sa fille. Comment ça se fait qu'il m'attaque dès le début? Là, j'ai rien fait. Tu peux attaquer dès le début, toi aussi. Avec Sangoku, celui d'avant, non mais... Pourquoi j'ai pas des attaques scriptées, moi aussi? Parce que toi, il fait le Kamiamia, c'est encore mieux. Si tu le maîtrises. Oh là. Oh là, il se fait démembrer. Ah, défoncer. Démembrer, pour une fiche, je crois. Boum. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pourquoi je perds à chaque fois? Le bras de fer. Mais pourquoi je perds à chaque fois ce putain de truc là? Non, non. Mais quelle technique, mais Videl, mais Videl. Elle a montré tout son talent, maintenant elle peut reposer en paix. Alors Videl, elle continue. Videl, mais... Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas aussi forte dans l'animé? Elle peut même plus balancer ses boules de feu, là. Je comprends pas. Boum! 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 Ah. Quelle technique! Je pense que je vais perdre ce défi, mesdames et messieurs. C'est sûr qu'on n'est pas sur Rome tout à l'heure. Oh purée, le plus cheaté de tous! J'ai perdu un quart de ses vies, même plus. Changement! Monsieur Satan a récupéré toute sa vie. Oh là là, mais quelle esquive! Quel talent! Oh là là, en plus, oh là là, mais quelle puissance! C'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable. Et que fais-tu? Il a esquivé mon coup de pied! Et tu n'esquiveras pas cette attaque! Ah là là, le bourrinage des attaques scriptées. Hein. Ça fait mal, hein. Oula, il me fait peur. Il s'énerve. Il est vénère. Végéto est vénère. Voilà, Gogeta. Oh purée. Il a détruit le bâtiment. Ou c'est peut-être moi, je sais pas. Enfin, Monsieur Satan détruire un bâtiment, c'est un peu chelou. Oui. Excuse-moi, à tes souhaits. Ce jeu est vraiment trop bien. Mais comment fait-il, Monsieur Satan? Il utilise toute sa puissance. Il a battu Gogeta. Ah non, même pas. Attends, il va le battre là. Petit coup, et voilà. C'est fini pour Gogeta. Il me reste mon personnage final. Ah oui, oui. Super bodybuilder. C'est le plus puissant des personnages. Le Kamehameha original. Quelle technique! C'est original. C'est original et ça peut marcher. Allez, courage fuyon. Ah merde, j'ai pas pu faire courage fuyon. Oh là là, j'arrive même pas à te faire tituber aussi. Tortue géniale quand même. Ça montre à quel point Tortue géniale est incroyable. Finalement, faut pas trop le sous-estimer. Voilà, là, en puissance maximale, on peut te faire tituber. C'est pour ça que le Kai est très important avec Monsieur Satan. Bon, je crois que je vais me fail là. Ah non, même pas.
Ça a marché. Et pourquoi des attaques scriptées à chaque fois? Moi j'ai que des Kamehameha que tu peux esquiver, c'est dégueulasse. J'ai même plus aller dans le... Je vais continuer cette vidéo. Ah mais toi à côté tu me défonces en... En Kikowa et aussi en... C'est quoi les Kikowa? C'est les boules de feu. Oh, oh non, le pen n'a pas marché. Non. Il a plus de caille mais il balance quand même des boules de feu. Là c'est parti là. Là on est d'égal à égal. Ça fumée. Il a même pas de chop. Allez c'est parti là, on va en finir. Une bonne fois pour toutes. Mon dieu, mais il se fait défoncer. Il comprend rien à sa life là. Tortue génial, c'est la première fois que qu'il se fait battre par quelqu'un de moins bon que lui aux arts martiaux. Fourberie. Moi aussi foutu. Ouais, je crois que c'est là c'est la mort. Bon, je vais pas prendre Videl puisqu'elle est un peu plus cheatée. On va en finir avec le grand, le puissant et Hercule. Oh, voilà. C'est magnifique. Oui, il a mis ce deuxième défi. Voilà, j'ai le boyau. Bah comme ça, on est à égalité. Hein. Même si la plus grande classe, c'est de gagner avec Monsieur Satan tout seul contre Gogeta tout seul. Oui. Même si là j'ai gagné contre Gogeta avec seulement Monsieur Satan. Ce sera sûrement pour une prochaine année, une prochaine vidéo. Dans un an. Voilà, c'était le petit défi Kong voilà. De Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Je suis vraiment déçu d'avoir perdu, mais bon. Voilà. c'est l'esprit sportif. C'était la conclusion de Fire Flame. Faut rester en esprit sportif. Voilà. À la voyure pour de nouvelles aventures.